Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gandhi. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment augmenter la taille d'un volume ou ajouter un nouveau volume à votre serveur Gandhi Cloud VPS. Si vous avez besoin d'aide pour créer un serveur VPS sur Gandhi Cloud VPS, n'hésitez pas à visionner ce précédent tuto. Au départ, vous n'étiez peut-être pas certain ou certaine du volume nécessaire pour votre site web. Alors, vous avez choisi un petit volume à la création de votre serveur. Après quelques mois, vous constatez peut-être que vous avez besoin de plus de volume pour fonctionner. Il est temps d'augmenter le volume sur votre serveur. C'est très facile à faire via l'interface de Gandhi. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte Gandhi et cliquez sur VPS dans le menu de gauche. Sélectionnez votre serveur pour arriver sur le tableau de bord de ce dernier. Choisissez l'onglet « Volume » dans la barre supérieure, puis ouvrez le menu déroulant à droite de l'écran. Cliquez sur l'option « Augmenter la taille ». Entrez la nouvelle taille de votre volume et le nouveau coût du volume s'ajustera en conséquence. Validez l'opération. La taille de votre volume est augmentée. Plutôt rapide, n'est-ce pas? Vous pouvez également créer et ajouter un nouveau volume à votre serveur depuis l'interface Gandhi. Retournez sur votre tableau de bord VPS et cliquez sur « Créer une ressource » dans le coin supérieur droit. Choisissez « Nouveau volume ». Vous pourrez ensuite donner un nom à votre volume et choisir la taille dont vous avez besoin. Sélectionnez l'image OS de votre choix pour ce volume et cliquez sur « Créer ». Une fois que ce nouveau volume est disponible, vous pouvez l'attacher à l'un de vos serveurs actifs. Cliquez sur « Attacher » dans le coin supérieur droit et sélectionnez votre serveur dans le menu déroulant. Cliquez à nouveau sur « Attacher ». Le tour est joué, c'est aussi simple que ça. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de nous laisser un commentaire si ce tuto vous a été utile. Et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.